et messieurs, bonjour. Une édition spéciale pour vous aujourd'hui, une édition qui vous amène à travers le continent, qui vous amène de l'autre côté au soleil, qui va vous faire découvrir aujourd'hui un groupe qui amène toujours du soleil lors du festival Mondo Carnaval. Ça fait déjà plus d'une année que ça dure et ce soir spécialement pour vous, ils sont là pour vous faire découvrir un tout petit peu les antres, pour ne pas dire la racine de leur groupe. Il s'agit bien entendu du groupe Lamo Fanka. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Alors, je crois que je vais laisser que chacun puisse se présenter d'abord et ensuite avec éventuellement son titre. Et ensuite, on va pouvoir rentrer en cadence avec la musique et puis on va se parler un tout petit peu de votre groupe. Alors, je me présente, je suis Marie Falabier. Je suis la responsable du groupe Lamo Fanka. Et le groupe Lamo Fanka n'est pas là toute seule. Il y a le groupe de Force et Tradition. Donc on a deux groupes de gros cas traditionnels ici présents, à la chance. Et moi, je suis Véronique Gamère, présidente du groupe Force et Tradition, également issue de la Guadeloupe. Merci. Alors, on va continuer. Alors, je suis Gustave Icam, je fais partie du groupe Lamo Fanka, mais je fais du gospel avec le K. Je viens aussi de la Guadeloupe. Alors moi, c'est Josiane Sermanson, je suis choriste à Lamo Fanka, je fais partie de ce groupe depuis la création. Oui, bonsoir. Moi, je suis Suzelle Brel, je fais partie de l'association Force et Tradition et je joue du chacha. Donc, bonsoir, je suis Colbos Victor, je fais partie du groupe Force et Tradition, donc chanteur, boularien, musicien en fait, chanteur, marqueur, choriste aussi. Oui, bonjour, je suis Étienne Biabiani, je fais partie du groupe Lamo Fanka et je suis choriste dans le groupe, merci. Moi c'est Numa Marius, je fais partie du groupe Force et Tradition, j'ai l'association. Donc je suis chanteur, membre actif, hein. On fait tout ce qu'il y a à faire. Quoi. Moi je suis Jackie Richard, membre de l'association Force et Tradition. Je chante et peu de chacha de temps en temps. Ah oui, bonjour, moi c'est Alain Caban, je fais partie de l'association Force et Tradition. Je suis boularien et marqueur. Manuel Wilfried, je suis choriste, association, enfin du groupe Force et Tradition, et je danse aussi un petit peu, je fais du chacha, enfin ici tout le monde est un peu polyvalent. Mm-hmm. Et donc Salomon Carole, hein, donc membre de l'association Force et Tradition, et je suis danseuse, joueuse de chacha, et quand c'est possible, pourquoi pas faire un petit peu de choriste, hein, et aussi boularienne de temps à autre, on ne sait jamais. Si l'occasion se présente, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Vous comprendrez que c'est toute une famille qui est là. On a deux groupes. On a la chance d'avoir deux groupes, le groupe Lamo Fanka et le groupe Force et Tradition, qui sûrement vont nous amener dans les traditions guadeloupéennes. Je tiens à marquer que c'est en Guadeloupe qu'on se trouve actuellement. Et on va comme ça écouter quelques sonorités. Mais avant ça, j'aimerais comme ça savoir avec les deux présidentes présentes ici, depuis quand est-ce que le groupe Lamo Fanka et le groupe Force et Tradition existent? Le groupe Lamo Fanka existe, ça fait 10 ans, une dizaine d'années. Waouh! Voilà. C'est beaucoup ça. Ouais. Ouais. Et ça va? Ça marche, hein. Le groupe avance, on se déplace beaucoup, la preuve, on est à Québec. On est là ce soir, ouais, c'est vrai. On est à Québec et voilà, on fait beaucoup de choses, on voyage beaucoup. Merci. Tous les ans, on fait deux fois par an. On est en voyage culturel. Et Madame Véronique est toujours présente. Bon, on va lui demander aussi depuis combien de temps est-ce que ça existe, le groupe.
On a failli fêter nos anniversaires en même temps avec l'Amour Femme Cannes. On a juste un an d'avance, donc l'existence depuis 11 ans. 11 ans, effectivement, on tourne dans le milieu culturel pour représenter la Guadeloupe constamment. On est tout le temps actif, hein, parce qu'on est aussi organisateur de Les Roses, ce qu'on appelle Les Roses. C'est une ronde avec les musiciens, le public, les chanteurs, les danseurs, où effectivement, ça a lieu en fait quasiment une fois par semaine, suivant les manifestations. Et on est aussi organisateur de spectacles. On fait aussi des animations dans les mariages, dans toutes les festivités. Bon. Donc on est vraiment. Voilà. Et c'est avec plaisir qu'on répond toujours aux invitations de Marie. Donc voilà. Ok. Mais écoutez, moi, je pense que ceux qui nous regardent actuellement, ils se disent, bon voilà, on voit des instruments, on voit des dames, on voit des messieurs, on parle de chanter, on parle de danser. Je pense que on va d'abord mettre un peu d'ambiance. On va jouer un peu pour mettre les petits plats dans les grands. Et ensuite, on va continuer notre conversation. Je vais vous laisser la scène, peut-être, pour jouer un petit quelque chose. Je vais commencer d'abord. Ok. La Moufanka sera sur scène d'abord. En terre dans le désert, la nuit vient barrer moi. On va qu'à trouver chemin. Moi, pas ça, ça pour moi faire. En terre dans le désert, la nuit vient barrer moi. Oui. On va qu'à trouver chemin. Moi, pas ça, ça pour moi faire. La pluie j'a mouillé moi, et soleil j'a brûlé moi, à dans souffrance sans fin, moi tombé, découragé. Entendant voix crier, et crier non à moi, moi mordé qui m'on y est, et dit moi sauvé Jésus. Entendant voix crier mes amis, et crier non à moi, moi mordé qui m'on y est, il dit moi sauveur Jésus. Yelle le voir qui sauve moi. Voir qui sauve moi. Voir qui sauve moi. Alléluia, il sauve. Il sauve moi. Voir qui sauve moi. Seigneur. Jésus, voir qui sauve moi. Alléluia, il sauve moi. Il dit moi mon enfant, si ni longtemps moi qu'a crié, longtemps longtemps qu'a attendre vous, moi c'est chimé là, moi c'est la vie. Il dit moi mon enfant, si ni longtemps moi qu'a crié, longtemps longtemps qu'a attendre vous, moi c'est chimé là, moi c'est la vie. Yelele, wow qui sauve moi, Seigneur, wow qui sauve moi, Jésus, wow qui sauve moi. Alléluia, il sauve moi. Seigneur, wow qui sauve moi, Jésus, wow qui sauve moi. Alléluia, il sauve moi. Il dit moi mon enfant, habillez en les moins, déchargez en les moins, moi c'est la paix, moi c'est l'amour. Il dit moi mon enfant, habillez en les moins, oui, déchargez en les moins, moi c'est la paix, moi c'est l'amour. Yelle les wow. Seigneur, wow qui sauve moi, Jésus, wow qui sauve moi, alléluia, il sauve moi. Wow. Seigneur, Jésus, alléluia, il sauve moi, solo. Sauvez-moi, wow qui sauve-moi, alléluia, il sauve-moi, wow qui sauve-moi, wow qui sauve-moi, Seigneur, alléluia, il sauve-moi. Il dit moi mon enfant, t'es ni longtemps moi qu'à crier, longtemps longtemps qu'à attendre vous.
moi c'est Chimela, moi c'est la vie. Ici moi mon enfant, dini longtemps moi qu'a crié, longtemps longtemps qu'a attendu. Moi c'est Chimela, moi c'est la vie. Y'a les voix qui sauvent moi, Seigneur. Jésus, voix qui sauve moi, alléluia, sauve moi. Voix qui sauve moi, voix qui sauve moi. Waouh qui sauve moi, alléluia, il sauve moi. Waouh qui sauve moi, waouh qui sauve moi, waouh qui sauve moi, alléluia, il sauve moi. Waouh, waouh qui sauve moi, hein, c'est toute une histoire. Waouh, entre waouh qui sauve moi. Ta voix m'a sauvé. Ta voix m'a sauvé. Seigneur, ah, ça, c'est un cantique au Seigneur. Là, hein? C'est du gospel. Ah, du gospel. Waouh. Ah, c'était beau, ça, là. Mmh. Merci beaucoup de ce fantastique son. Oui. Merci, merci. Alors, Marie, dis-moi, avec l'Amour Fanka, vous faites beaucoup de d'événements. Et, en fait, la culture pour vous, c'est quoi? C'est quoi qui a vraiment été à la racine de la Moufanka? Et ça se voit que vous, la plupart des événements que vous faites, c'est vraiment du culturel. C'est quoi la culture? Mais la culture, c'est la culture guadeloupéenne, c'est la tradition. Exactement. La tradition vient de ce que nos ancêtres ont subi. Le cas, c'est ce que nos ancêtres ont subi avant. Mm-hmm. Pour, avant, quand ils allaient au travail, enfin, en sortant... Les esclaves, hein, en sortant de leur boulot, après avoir subi des trucs, des frais, des trucs comme ça, et c'est avec le cas qu'ils allaient exprimer leur souffrance, si tu veux. Et, donc, comment, le mot, la culture, c'est la tradition. C'est la tradition, en fait, c'est la tradition guadeloupéenne. Et les échanges. Ouais, voilà. Alors, je vais vous garder là, je vais demander à Véronique, là, avec... voix et tradition. Quand vous allez à travers les pays, force et tradition. Ah, la voix aussi. Ah, il aime toujours me tirer les oreilles. Même sur la scène l'autre jour, il me tirait les oreilles. Donc, avec ça là, quand vous allez dans, quel est le message que vous voulez porter quand vous allez sur d'autres scènes? C'est quoi le message principal de force et tradition? Alors, avant tout, le message principal qu'on veut porter, c'est notre identité. Okay. L'identité guadeloupéenne est très forte à travers le cas. Et on est le seul pays au monde, ça c'est vraiment de chez nous, c'est du 100% Guadeloupe, de pouvoir jouer avec cet instrument-là, le gros ka. Le ka. L'instrument s'appelle le ka et la musique s'appelle le gros ka. Okay. D'accord. Donc, on a cette fierté de dire qu'on est. Ça, c'est du Made in Guadeloupe. Et c'est ce qu'on véhicule à travers toutes nos prestations dans le monde pour faire connaître effectivement notre musique guadeloupéenne, traditionnelle du pays, notre identité, notre racine, elle est là. Ok. Votre racine, votre identité, votre culture. Et dans le partage de culture que vous faites à travers. Quelle est la relation que vous avez avec Mondo Carnaval et avec ces échanges que vous faites avec la Guadeloupe et le Québec, pour ne pas dire le Canada? C'est quoi la relation profonde? Alors, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir échanger sa culture, ses traditions avec d'autres pays, d'avoir comme ça des échanges avec l'Afrique, la diaspora africaine, avec l'Asie, avec l'Amérique du Sud, enfin avec tous les pays du monde. C'est toujours très intéressant et très enrichissant surtout de pouvoir échanger comme ça nos cultures, nos langues, nos traditions, nos plats, nos mets, nos danses, nos chants. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion au niveau du Mondo Carnaval. C'est pour ça qu'on aime bien participer au festival Mondo Carnaval, parce que cet échange est très enrichissant et on a eu l'occasion de faire ce qu'on appelle des lionnages. Lionnage, c'est un mot bien de chez nous. Hein. Un lionnage. Okay, donc c'est du créole. Voilà, c'est un rassemblement, c'est vraiment un lien, c'est vraiment, voilà. Et d'ailleurs, c'est le nom de notre, on va dire, notre le nom de notre album, On Self-Family. On Self-Family veut dire une seule famille. Combien d'albums vous avez? Alors, c'est notre premier. Le tout premier. Et on est content parce qu'on est venu le présenter chez vous.
Ah, merci. Et on l'a présenté au Mondo Carnaval. Okay. Donc, le bébé était tout chaud. Et c'est pour ça qu'il y avait du soleil comme ça. T'as compris pourquoi il y avait du soleil comme ça au niveau du Mondo Carnaval. Ça, avec ce beau bébé qu'on t'a porté de la Guadeloupe, avec cette chaleur, c'était formidable. Merci beaucoup pour nous avoir servi votre premier bébé. Je vais juste... Comment est-ce que vous avez trouvé l'accueil cette année? Alors, je dis bien, c'est la première fois que moi je viens. Ouais. Mais j'ai trouvé ça c'est fantastique. Les gens ont ce pays accueillant. Et puis, on prend soin de vous, je peux dire ça ainsi. Et puis, il y a un partage qui se fait, les gens se parlent, les gens discutent, les gens parlent de leur culture. Moi, je trouve ça merveilleux, en fait. Et ça donne envie de revenir, en fait. Merci beaucoup. Merci. Marie, une question avant de goûter à une autre épice de votre cuisine. Combien de pays avez-vous déjà visité, so far? Pays. Alors, si vous voulez. Avec le groupe. Parce que j'ai visité la France. Ouais, la France. J'ai fait Marseille, j'ai fait le Palais des Congrès à Paris, j'ai fait le Grand Chapiteau à Paris, j'ai fait. J'ai été en Guyane, en Martinique, à Saint-Martin. Wow. Oula. Quel est le pays qui vous a le plus frappé? Quelle est la scène et pourquoi qui vous a le plus frappé? La première scène, c'est Mondo Carnaval. La deuxième, c'est la scène de la foire de Marseille. Wow. Voilà. Ok. J'aimerais savoir pour vous une question. Andy, je viens d'apprendre là que vous êtes les seuls à pouvoir jouer de cet instrument. Je veux dire, en Guadeloupe, c'est ça? En Guadeloupe. C'est quoi la particularité de ça? Et comment avez-vous appris à jouer à ça? Ben, comme l'a dit si bien Marie, hein, donc c'est une musique qui nous a été laissée par nos ancêtres, hein, au moment de l'esclavage, hein, comme on dit. Donc c'était leur moyen de communication, puisqu'il y avait plusieurs ethnies, hein, qui étaient rassemblées ensemble. Oui. Donc pouvoir se parler, c'était le moyen de communication qu'ils ont pu trouver. Et c'était, comme elle l'a dit encore, un moyen de pouvoir montrer, de se libérer de leur souffrance. Absolument. Et depuis lors, donc, ça veut dire qu'on parle, bon, par rapport à l'histoire même, hein, que ce tambour a été formé, donc on parlait de tourneaux, et bon, ensuite, bon, je pense qu'il y a une évolution au niveau de l'instrument même, hein, puisque avec, comme on dit, la peau à cabri, donc, c'est ça. Donc, vous voyez, l'évolution, c'est ça. Et ensuite, bon, comme je dis, donc on apprend, donc c'est la transmission qui se fait, hein, par les anciens. Donc, les anciens transmettent. Donc, c'est de génération en génération qu'on apprend. D'accord? Donc, c'est la transmission qui se fait ici. Notre rôle, ici, nous présents ici, tous ici. Donc, nous sommes dans la transmission. D'accord? Donc, on veut pérenniser cette culture que l'on a, comme je vous dis, qui est ancrée dans nos racines à nous. Et on veut vraiment défendre cette culture guadeloupéenne qui nous a été laissée par nos ancêtres. Voilà. Défendre cette culture guadeloupéenne qui a été laissée, ça, c'est des mots forts, des mots qui marquent. Et moi, je vois beaucoup d'hommes, je vois beaucoup de femmes, je trouve que la fusion qu'il y a là est tellement forte. J'aimerais juste poser une question à quelqu'un qui était là l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année? Cette année, non, je n'étais pas là, mais je... Oui. Okay, ben, allez-y quand même. Oui, mais... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au Mondo Carnaval? C'est-à-dire, il y avait beaucoup de nationalités dans le festival. Mm-hmm. Et la convivialité aussi qui se régnait dans le lieu où ça s'est passé. Mm-hmm. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est... les différents groupes qui sont passés aussi, il faut pas parler seulement de nous, oui. Il faut parler aussi des autres groupes qui étaient aussi invités au festival, que j'ai beaucoup apprécié leurs prestations, et c'était très enrichissant pour nous aussi. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ceux qui nous regardent ont plus envie de vous entendre jouer que de m'écouter avec ma mauvaise voix parler. On va encore jouer un petit quelque chose, si ça vous dérange pas. Marie, c'est toi la patronne. D'accord, ça marche. Alors, du coup, tu...
Le micro, je donne à qui? C'est du gospel que je fais, moi. Chante ce que tu veux. On va vous découvrir. Enroulé. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, Yahweh. Faiblesse pour moi et moi tombé. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, Yahweh. Faiblesse pour moi et moi tombé. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi comblé. J'ai rêvé en moi, Yahweh. Ben moi la main, moi levé. Je veux aller là où je veux aller, à ce chemin, à la vérité. Porter l'amour et puis charité, pas moins force pour moi payer aller. Je veux aller là où je veux aller, à ce chemin, à la vérité. Porter l'amour et puis charité, pas moins force pour moi payer aller. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, Yahweh, faiblesse pour moi et moi tombé. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi, comblé. J'ai rêvé en moi, Yahweh, pas moi la main pour moi lever. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, Yahweh, faiblesse pour moi et moi tombé. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi, comblé. J'ai rêvé en moi, Yahweh, pas moi la main pour moi lever. J'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, Yahweh, pas moi la main pour moi lever. Solo. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, Yahweh. Faiblesse pour moi et moi tombé. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi, comblé. J'ai rêvé en moi, Yahweh. Bon, moi la main pour moi lever. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, Yahweh. Faiblesse pour moi et moi tombé. J'ai rêvé en moi, mon Dieu. J'ai rêvé en moi, comblé. J'ai rêvé en moi, Yahweh, bah moi la main pour moi lever. J'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, Yahweh. J'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi pour moi. J'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, j'ai rêvé en moi, Yahweh. Alors, Marie, avant que tu n'aies été reposée derrière, peut-être à ta place, je vais te garder là encore pour quelques questions. L'amour Fanka, c'est quoi sa spécificité selon toi? Si on te demande, l'amour Fanka, si, ça représente quoi? Eh bien, Peut-être un animal, ce serait quoi? Scorpion. Le scorpion. Le scorpion. Le scorpion ou le caméléon? Moi, scorpion, c'est mon... Votre signe, caméléon. Voilà. Bon. Non, c'est scorpion. Bon, alors, là, aujourd'hui, s'il y a des gens qui regardent et qui peut-être souhaitent peut-être vous inviter un jour à un festival ou à un événement à Québec, parce que ça va être regardé quand même un peu dans le monde, là, et qui souhaiterait vous inviter. Comment est-ce qu'on procède et quels sont les... Qu'est-ce que vous offrez comme musique? Moi, je le sais,
Mais ceux qui nous regardent ne le savent pas. Donc, mais... s'ils veulent vous inviter, comment est-ce qu'ils procèdent? Ben, ils m'envoient un mail. Ok, ben, on n'a pas je do... mais c'est Marie, oui. Très, Joseph, ouais. Prince, Falavier, Arbase, Orange, Préfère. Sinon, vous allez sur Facebook, vous allez trouver Falavier Marie, vous allez tout trouver, ou vous appelez Madame Doina Balzer à Québec. Tout le monde connaît Madame Doina Balzer. Oui, c'est vrai. À Québec. Voilà. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 13 55 65. Ok. Et voilà. Un dernier mot du groupe La Moufanka, c'est à ses web spectateurs, à ceux qui écoutent. Ben, La Moufanka était au Modo Carnaval. On revient l'année prochaine, mais moi je reviens en tout cas. Même si la Moufanka, j'emmène pas le groupe, mais je serai là parce que voilà, je fais partie de Modo Carnaval, que je veux ou non. Voilà, mais on sera là. J'emmènerai encore du monde parce que j'ai emmené quand même 10 groupes. Cette année, au Mondo, il y avait 10 groupes. Il y avait le groupe Mauve, Voix Belle Dame. Vous l'inciter peut-être. Il y avait le groupe Mauve et le groupe Voix Belle Dame pour la Martinique. Okay. Pour la Guadeloupe, il y avait Force et Tradition, L'Amour Femme-Ka, Riel, Mathieu Fort, Cadence et Tradition. Nation Aneg Marron. Vous pouvez l'aider, hein? La Couvéranda, Nation Aneg Marron. Voilà. Et il y avait aussi. Le Sassé Match du Fort. Et il y avait aussi Gustavi Caraman Solo. Avec L'Amour Femme Ka, bien entendu. Absolument. Mais il faut quand même la nommer. C'est une chanteuse quand même assez. Grande et connue pour la Guadeloupe. Voilà. Donc, cette année, on va dire qu'avec les 10 groupes, la Guadeloupe a fait Mondo Carnaval. A fait Mondo Carnaval. Et je reviens avec autant de groupes l'année prochaine, c'est promis. Wow. Merci beaucoup et puis merci Marie. Ouais. Peut-être que si d'ici là on a encore une dernière question, mais on va s'occuper de regarder pas. Avec d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup Marie. Merci infiniment. Compte te voir très bientôt. Alors, mes amis, vous avez sûrement constaté qu'on est dans les traditions guadeloupéennes, on est dans la musique guadeloupéenne, une musique ancestrale, une musique profonde, une musique qui vous entraîne dans des contées que vous n'imaginiez pas. Cependant, on est toujours à Québec, dans la ville de Québec, et aujourd'hui, à l'émission Parlons-en, on vous amène comme ça à voyager. On vous amène voyager sans payer un seul billet d'avion. C'est bon ça, hein? Alors, on va maintenant inviter ici Véronique. Véronique, est-ce que tu peux venir, hein, s'il te plaît? Je vois que t'as Force et Tradition. T'as votre premier album. C'est un album ou un single? C'est un album de 12 titres. Ok. Alors c'est un album de tout titre et de 12 titres, et cet album est à l'image aussi de Mondo Carnaval. Okay. Parce qu'on a réalisé au niveau de Mondo Carnaval, c'est aussi un festival de la famille. Okay. Où il y avait les adultes, les parents, les cousins, enfin la famille, mais il y avait beaucoup d'enfants. Okay. Donc ce qui correspond parfaitement à ce qu'on défend au niveau de Force et Tradition, parce qu'on a aussi un gros rôle de transmission. Donc Carole vous en a parlé tout à l'heure, parce qu'on est aussi école de gros cas, école de danse, où on apprend les jeunes, toujours dans notre rôle de transmission, à jouer au cas, à chanter aussi. On donne des cours. Bon, ma fille est avec nous, malheureusement un petit peu fatiguée, elle n'a pas pu venir ce soir. On lui salue. Voilà, donc derrière elle, il y a aussi beaucoup de jeunes qui, comme nous, ils ont leur groupe de jeunes, et ils font aussi le travail. Ils assurent la pérennité. Donc bientôt, nous, on sera à la retraite, et c'est des jeunes. C'est vous, non. Non? Moi, j'ai 20 ans. Ah oh, bon, ouais. Elle a 20 ans. Et moi, j'ai 14. Donc, voilà. Donc ça va très bien. Donc, voilà, on va peut-être écouter un morceau de l'album, si vous voulez. Voilà, avec Jackie Richard et Marius Numa en piste. OK. Jackie Richard? Oui, on va jouer un morceau de l'album. Alors, le morceau que vous allez écouter, il est sur cet album que je vous invite fortement à acheter. Un album du groupe Force et Tradition, spécialement à Québec pour le show, pour le festival Mondo Carnaval. Alors, on attend. Pour avoir ce genre d'informations et vivre des moments pareils, je vous invite à liker, à partager la page de Diaspora Interaction, le média de la diversité, de l'inclusion et du vivre ensemble. Jackie, à qui je donne le micro? Mende.
Oh, ah. Oui, c'est bon. Ça marche. C'est bon. Il faut rentrer dans le cadre. Quand vous traversez cette table, vous n'êtes plus dans le cadre. Nous c'est force, nous c'est tradition, nous c'est transmission, nous c'est une seule famille. Nous sortis en dit d'angoyave, et nous ban nous l'obligation de prendre la mission pour faire la transmission à la population et à tout Guadeloupéen. Nous c'est force, nous c'est tradition. Nous c'est transmission, nous c'est une seule famille. Oh, nous c'est force, nous c'est tradition, nous c'est transmission, nous c'est une seule famille. Force en nous, c'est lien à genoux, avec musiciens qui choquent à quelques Guadeloupe, qui parient aussi à transmettre ça y connaître, à transmettre la jeunesse en nous. Oh, nous c'est force. Nous c'est tradition, nous c'est transmission, nous c'est une seule famille. Oh, nous c'est force, nous c'est tradition, nous c'est transmission, nous c'est une seule famille. Force en nous, c'est grand carré sol, à femme qui solide, à femme qui de bout dans sa qui taille, qui parie aussi. À transmettre culture à yo, à transmettre à jeunesse à yo. Oh! Nous c'est force, nous c'est tradition, nous c'est transmission, c'est une seule famille. Nous sommes les enfants Guadeloupe, nous sommes les mondes partout. Nous qu'a joué aussi, éveille les sensations, nous qu'a barre émotion pour la population amoureuse. Nous c'est force, nous c'est tradition. Nous c'est transmission, nous c'est total. Et l'entendre Lélin qu'a joué, l'entendre Victor qu'a sonné, Véronique a dansé, tout ça qu'a barre émotion, ça ou ça qu'a barre sensation. Nous c'est transmission, nous c'est Aïe, l'on descend dans Bougouayab, où tant de musique a joué, moun la ka dansé, moun la ka lié chanté, sa ka ba vous bon mission. Aïe, nous c'est transmission, nous c'est tradition sérieux, nous tout ka joué, avec un bon l'esprit, à partager les anciens laissés, pour faire Guadeloupe l'avancer. Aïe, 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 c'est tradition, amoué. Hey, nous c'est Yambal, aïe, monsieur Toto. Nous c'est force, nous c'est tradition, nous c'est transmission, nous c'est une seule famille. Oh! Nous savons, le monde aime nous, mais nous savons aussi, c'est l'équipe à aimer nous. Mais nous s'en foutons, c'est penser, nous qu'avancer, pour transmettre qui dit à nous, ici à payer à nous. Oh!
nous c'est face, nous c'est tradition, nous c'est transmission, nous c'est une seule famille. Nous choquons en commune royale et nous banons par nous l'obligation de prendre la mission pour faire la transmission à la population, population royale et à tout droit nous payer. Nous c'est face. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous c'est force, nous c'est tradition. Nous c'est transmission. Nous c'est ensemble. Famille. Nous c'est force, nous c'est tradition. Nous c'est transmission, nous c'est en seule famille. C'est ça? Yeah! Waouh! Hey, ça c'est bon ça. Hein? Est-ce qu'on apprend à jouer de cet instrument? Est-ce que quand vous arrivez à Québec, est-ce que vous donnez des ateliers? Est-ce que vous avez pensé à donner des ateliers? Non, on n'a pas pensé vraiment. On n'a pas eu le temps. Est-ce que c'est compliqué de jouer à ça? Non, c'est pas trop compliqué. C'est très facile, mais il faut bien comprendre. Ben, moi, je propose que la prochaine fois quand vous venez, si vous avez si vous avez du temps, que vous m'écrivez ou bien vous m'envoyez peut-être des propositions pour faire d'ateliers. Moi, je posterai pour pouvoir inviter les gens qui nous regardent éventuellement à venir prendre des ateliers avec vous. Je pense que ce serait une bonne chose. Et cette énergie que vous avez, il faut venir par là, là. Faut venir par là. Alors, c'est quoi cette énergie? Est-ce que ça fait partie de la marque de force et tradition, ou bien vous dansez parce que vous êtes contente, ou pourquoi vous dansez toujours comme ça? On vous voit faire des belles chorégraphies sur plein de scènes. Premièrement, pourquoi vous dansez comme ça? Est-ce que ça fait partie de la marque? Ou alors, donnez-nous une raison. Mais comme je l'ai dit au début, hein, c'est l'identité de la Guadeloupe. Donc cette énergie, elle vient de la Guadeloupe. Et si, tu vois, regarde toutes les femmes qui sont là. Ouais. On les appelle des femmes solides. Des femmes solides. Voilà, des femmes solides, des femmes potomitans, des femmes d'Ubout. Ouais. D'accord. Donc tout est là, tout est dit, tout se voit, tout se ressent. Et cette énergie, effectivement, on la porte parce que derrière cette énergie, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de lutte. Et il y a aussi, c'est inné à la femme noire. Gardez toujours la tête haute, quelle que soit la circonstance, et toujours au combat. Voilà. Nous sommes avant tout des femmes guerrières. Donc voilà. Mais on sent à travers cette danse qu'il y a beaucoup de symboles. Et est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux symboles? Il y a beaucoup de symboles, parce que là, ce qui fait aussi la richesse. On recommence. C'était quoi ma question? Après, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rester un peu ensemble au moins? Parce qu'après les rythmes, on va faire un dernier truc, voilà. Et puis on va pouvoir clôturer. Et si on n'est pas tous ensemble, ce serait comme un tas. Ah oui, tu peux laisser, il n'y a pas de problème. Mais là, il triche. Bon. Ouais. Alors, cette énergie que nous avons ressentie à travers votre danse, on dirait qu'il y a des symboles derrière ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, tout à fait. Alors, le premier symbole, d'ailleurs, qui imagine le tout, c'est l'identité, notre identité. Oui. De femme guadeloupéenne, de femme pontoupidan, de femme d'Ubout, de femme solide. Et c'est ce qui se retranscrit aussi également à travers notre danse, nous en tant que femmes, parce qu'il y a aussi des hommes danseurs. Okay. À noter que je disais effectivement que le Groka, on a 7 rythmes différents. Mmh. Et sur ces 7 rythmes différents, on a les différents sentiments qui s'expriment sous ces rythmes. C'est pour ça qu'il en existe 7. Donc, on a quand même une musique qui est très riche. Je ne sais pas si tu connais une musique qui est à l'intérieur de cette même musique différente. Non. Ah ben voilà. Je ne connais pas. Voilà. Donc le gros cas. Donc tu vas découvrir. Oui. Donc le Mende, c'est le rythme sur lequel je viens de danser, qui rappelle d'ailleurs les sonorités africaines. Hein? Là, je te vois bien évoluer dessus. Ensuite, on a le Tumblak, qui exprime la joie. Voilà. Donc quand on va danser le Tumblak, donc ça sera l'allégresse, on va aller dans dehors. Et c'est sur ce rythme-là particulièrement, il y a aller. Et
Les coups de rein, ouais, les coups de rein, c'est beau. Voilà. Attention au danger. Attention au danger. Danger, danger, danger. Ça peut couper. J'aime appeler ça, c'est la partie sucre à coco. Sucre à coco. Ensuite, on a le lait rose. Le lait rose, qui est un rythme qui exprime la lutte, le combat, le travail. Donc voilà, dans ce rythme-là, justement, on retrouve vraiment la base de ce que nous sommes, de la base de là où nous sommes venus, hein, du travail de nos ancêtres et de leurs souffrances. On va parler aussi, puisqu'on parle de souffrance, on va parler aussi de Kaladja. Okay. Kaladja. Ce travail dans les champs également. Oui. Avec beaucoup de souffrance également. Voilà. Ensuite, tout à l'heure, on a joué le roulé avec Gustave Icam, qui nous a chanté une très belle chanson avec le roulé, qui nous rappelle la valse. C'était justement pour imiter la valse des Blancs à l'époque, pendant l'esclavage. Donc, le roulé. Ensuite, on a le pas de jambelle. Pas de jambelle qui se danse sur trois temps. On y va? Là comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a oublié, Victor? On a le grage, hein, en plus c'est ton rythme préféré. Oui. Le grage qui exprime la sensualité, la grâce. J'aime dire que le grage c'est le zouk love. Tu connais le zouk? Voilà. On a fait le tour. Ben, après avoir visité ces différents rythmes à travers le tambour et notre chanteuse, danseuse Véronique, je pense que c'est très important que nous puissions aussi savoir comme ça rapidement, quand on fait partie d'un groupe comme ça, est-ce qu'il y a des obligations, est-ce qu'il y a des choses que vous faites parce que vous êtes dans le groupe ou bien est-ce qu'il y a des must, je veux dire, quelles sont les obligations pour faire partie d'un groupe aussi homogène? Ben déjà, il faut en avoir envie. Ben une fois qu'on est là, qu'on sait pourquoi on est là dans un but de retransmettre, de montrer ce qu'on sait faire, de montrer notre culture. Une fois qu'on est là, il y a des choses qui doivent se faire et qui se font naturellement. Et une fois qu'on est là, si on est vraiment venu pour faire ça, ce boulot-là, ben, on le fait naturellement, ça vient tout seul. Voilà, et c'est avec grand plaisir. Ok, ouais, on le fait naturellement, ça c'est certain. Moi, je sais que, comme moi, vous êtes tous des pères et des mamans de famille, j'aimerais savoir comment est-ce que vous parvenez à jumeler votre rôle quand vous partez beaucoup, comment est-ce que vous parvenez à joindre ces deux rôles d'artiste et de maman? Mais en fait, nos enfants sont avec nous le plus souvent, okay. Sauf lorsqu'on voyage bien sûr, parce qu'il y a l'école. Mais sinon, ils sont avec nous tout le temps et on transmet cette culture. Donc du coup, l'enfant est tellement habitué et ça se fait, la transmission se fait tout naturellement. Il ne ressent pas votre départ? C'est-à-dire que je vais l'appeler tout à l'heure. Okay. Je l'ai au téléphone tous les jours. Okay. Donc il sait pourquoi je suis partie et il me dit « Maman, montre-leur bien hein, ce que tu sais faire. Wow. » Donc c'est très fort ces mots. Hein. Ouais, c'est sûr, il vous soutient. Voilà, j'ai un soutien, j'ai un fan on va dire. Et les enfants sont super contents, ils sont fiers de leur maman. Est-ce qu'ils sont aussi dans le rythme comme vous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mon fils, mon petit, il a commencé, il avait 3 ans. Okay. Et maintenant, il joue tous les rythmes. Ouais. Donc, ça se transmet et il est fier de montrer à ses copains à l'école, voilà, ma mère, un jour, elle sait danser et moi aussi, je sais jouer. Wow. Ben, félicitations, fière maman. Et actuellement, J'ai eu la chance de vous voir sur scène, de le voir sur scène plusieurs fois. Il est vraiment bon. Et j'aimerais juste savoir si lui, avant d'aller à ces festivals ou alors avant de monter sur une scène, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Est-ce qu'il prépare ce qu'il va faire ou alors il y a aussi de l'improvisation? En fait, il y a beaucoup de préparation. Puisqu'en fait, quand on chante matin, midi et soir.
Donc chez soi, quand peut-être bon, on pense qu'il n'y a rien, mais un chanteur, quelqu'un qui compose, en fait, travaille. Ouais. Ouais. Donc du coup, quand il y a une prestation, ben, c'est une répétita de tout ce qui a été fait. Ouais. Après, on expose au grand public, mais c'est un travail continu, en fait. Il y a aussi beaucoup de séduction, j'ai dû remarquer quand vous êtes sur... beaucoup de séduction, hein, est-ce que... Comment on gère ça là avec ces groupies qui viennent seulement par vous dire, oh, ça va, on gère bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Toujours avec beaucoup de plaisir. Quoi. Beaucoup de plaisir et puis c'est comme disait Suzelle, c'est une transmission, donc on envoie, on ne calcule même pas en fait. Voilà. Oui, donc c'est vraiment du plaisir. C'est du plaisir. On n'est jamais fatigué. Ah non, là on est parti pour un long moment là. Bon, merci beaucoup. Et bon, actuellement j'aimerais aussi qu'une une dame qui est parfois sur la scène et qui est très inspiré, nous disent un peu, est-ce que lorsque vous êtes sur scène et qu'il y a peut-être une erreur, quelque chose que vous avez préparé et qu'il y a une erreur, est-ce qu'on continue juste à chanter ou alors on s'arrête? Eh bien, on improvise, on continue, on est dans le bain, on y reste. Et je voulais aussi signaler que moi, je chantais la musique du monde avant. Ah, ok. Donc, j'ai évolué dans le gospel. Le gospel, chez nous, c'est en principe, le gospel, c'est la guitare, le piano, la basse. Et je me suis dit, et j'ai, sans prétention, j'ai lancé le gospel avec le K aux Antilles. Et donc, maintenant, plusieurs églises ont commencé à faire le K. Et je me sens tellement bien parce que le K, c'est ma musique. C'est, même je chante, j'ai une chanson que j'ai écrite que je dis où le tambour c'est le mien, c'est mon tambour. Mm-hmm. Et donc je chante avec mon tambour, je loue mon Dieu, je glorifie Dieu avec l'instrument qu'il m'a donné. Donc je suis dedans, j'aime et j'improvise, je suis à l'aise. Oh, bravo pour votre morceau que vous avez composé avec votre cas. Et on loue tous le Seigneur. Cinq albums. Waouh. On ira découvrir ça. On va essayer d'avoir toutes les adresses et on va les mettre en dessous de cette vidéo pour que les gens aillent vous découvrir aussi. Est-ce que je peux avoir votre avis en ce qui concerne l'homogénéité, c'est-à-dire la fusion qu'il y a dans le groupe? Quel est le secret? Eh bien, le secret, c'est de l'entente, hein. Quand on s'aime, quand il y a l'amour, eh ben, on est tous ensemble et on est content. Quand on se rencontre, on est très très content. Et ça, c'est l'amour. On dégage l'amour. Hein. C'est ça. L'amour. Être ensemble. L'amour comme l'amour Fanka, comme elle disait. Ok, parfait. Donc maintenant, pour terminer, bien sûr, le meilleur pour la fin. on aimerait juste une petite un petit mot en ce qui concerne non seulement le groupe, mais aussi pour le futur et pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un groupe aussi fort et qui avance toujours ensemble avec autant de dynamisme et autant d'amour. Avec autant d'amour. Mais il y a l'amour Fanka, mais force et tradition, nous sommes force, tradition, oui. Mais aussi amour. Oui. Le bon se pose, c'est que le Goka a pris une telle ampleur aujourd'hui. Il faut dire que cette musique a été considérée comme musique de vieux nègres, de nègres marrons, déconsidérée. Et les joueurs de Goka avant étaient déconsidérés. Mm-hmm. Et il faut dire qu'aujourd'hui, avec le combat qu'a mené monsieur Félix Cotelon, okay, pour que le Goka puisse être accepté à l'UNESCO, mm-hmm, comme patrimoine immatériel de la Guadeloupe. Mm-hmm. Aujourd'hui, le Goka est entré partout, mais partout. Et la transmission qui se fait aujourd'hui ne se faisait pas comme ça. C'était les enfants regardaient et apprenaient à jouer. Aujourd'hui, il y a des écoles de Goka, comme faut cette tradition. L'éducation. Maintenant, le Goka est rentré dans la tradition guadeloupéenne et se transmet de génération en génération. Et c'est très important. Donc, je profite pour saluer M. Félix Cotelon pour le travail qu'il a mené. Et le Goka aujourd'hui, c'est aussi un instrument de lutte, de combat. Parce qu'il n'y a pas une grève en Guadeloupe où le tambour ne sonne pas. Ça, c'est énorme.
C'est une arme contre les envahisseurs, contre les colonialistes, contre ceux qui nous ont rendus esclaves. C'est une force parce que c'est cet instrument-là que les marrons, les esclaves marronnais qui s'échappaient, ont inventé pour se parler, pour concerter. Et c'est avec ça qu'ils ont pu se battre comme pour se libérer. Donc ça, c'est très important aujourd'hui. Nous, on perpétue ça, mais aussi on doit garder à l'esprit tous ces sorties. Et qu'est-ce qui est dans l'âme même du Gourka ? C'est la souffrance, mais aussi cette souffrance-là, il faut la transmettre et que de génération en génération, qu'on puisse au moment donné se dire qu'est-ce que le Gourka a amené et qu'est-ce qu'il va amener. Mais une chose qui est sûre, c'est que le Gourka va amener à ce que les Guadeloupéens qui ont subi aujourd'hui descendants d'esclaves puissent être réparés un jour. Voilà. Wow. Ah, ça, c'est profond, ça. Hein. Ça, c'est très profond. Je vous remercie vraiment de toutes ces informations, toutes ces paroles sages qui vont sûrement profiter à ceux qui nous écoutent et qui ne savaient pas la vraie signification du Gourka et qui vont, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette émission, apprendre beaucoup de choses. Donc, ce fut vraiment un réel plaisir. Je ne sais pas s'il y a un refrain qu'on pourrait chanter ensemble pour terminer l'émission, sérieusement, une fois que j'aurai dit au revoir aux autres. Vous l'avez déjà ? Bon, alors... On rappelle qu'on est visible sur la page Facebook. Oui, bien sûr. Vous pouvez aller sur la page de Force et Tradition pour découvrir Force et Tradition. Vous allez sur la page Facebook de Force et Tradition pour découvrir aussi la Moufanka. La page Gusta Bikam aussi. La page Gusta Bikam. Vikam Musique. En tout cas, quand on va publier la vidéo, on va pouvoir mettre toutes ces pages-là en dessous. Donc voilà, chers web spectateurs, merci d'avoir suivi, merci d'avoir pris le temps pour ceux qui prendront tout le temps d'écouter. Et surtout, ne manquez jamais, jamais une prestation de la Moufanka, ni une prestation de Force et Tradition, car c'est la tradition guadeloupéenne qui vient à vous. Et c'est comme ça qu'on, chaque année, et c'est comme ça qu'on transmet, c'est comme ça qu'on partage. Merci à Doina Balzer aussi pour ce grand pont qu'elle a jeté entre le Québec, entre le Canada et la Guadeloupe. Et merci à tout le monde pour cette fusion entre nous tous. En attendant, on vous chante une dernière chanson et on se retrouve très très bientôt. Bye bye. Merci Diaspo. Merci beaucoup. Merci. On va chanter une chanson avec quand il n'y avait pas de Gourka, mm-hmm. Il n'y avait pas de cas, mm-hmm. Il y a ce qu'on appelle le boulaguel. Okay. Donc on joue avec la bouche, ouais. C'est uniquement avec la bouche, ouais. Avec les mains. Ok. Et un peu les pieds. Ouais. Yeah. Nous c'est nègre, c'est qui nous nouye. Nous c'est nègre. Frappez-moi les mains. Oh. Nous c'est nègre Congo. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à Goé. Nous venons Guadeloupe. Qui nous nouye. Nègre Congo. Anne Cameroun, nous sommes au Bénin, au Sénégal, nous sommes nègres d'Afrique, nous sommes à Goé, nous piquons changer, pour faire plaisir, tête en nous grenée, devant nous épée, passez nous qui nègres, nous sommes nègres Congo, frappez-moi les mains, à la main des mains, à qui vous nouillez. En pas qu'attendez, répondez. Qui m'ouvre? Nous c'est nègre. Qui m'ouvre? Nous c'est nègre.